Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la présentation de l'épisode de Starbound V5, Glad Giraffe. Donc chers amis, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, on va quand même aller dans la mission, malgré tous les problèmes qu'on pourrait avoir avec. Cependant, on va pas y aller comme ça, on va y aller avec le Energy Dash. Hop, voilà, grâce au tech chip qu'on a pu débloquer donc, dans le précédent épisode. Et donc on va reparler à Sail, et on va lui faire mission, et on va lui faire Hercules Mining Facility, c'est parti, on y va. Est-ce que j'ai pensé à mettre... Non. Il me semble que j'ai complètement zappé. On va voir, hein. Ah non, c'est bon, elle est l'armure oxygène, elle est déjà mise. C'est parfait. Bon bah on y va. Hop. Bon, elle semble désertée, je reçois quand même quelques signes de vie assez particuliers, assez inhabituels. Ok. Parfait. On a les chiottes par ici. Regardez notre pétoche, c'est pas grave. On va aller aux chiottes, pas grave non plus. Ok. L'entrepôt a l'air d'être. Enfin, l'endroit a l'air d'être complètement verrouillé. J'ai pas eu le temps de lire ce que tu m'as dit ensuite. Et il fonctionne grâce au générateur d'urgence. On va regarder. Pour quelque chose, j'ai pas compris quoi. Alors, ici, rien, génial. Ces lits sont vraiment superbes, je trouve. Offline. Ah bah tiens, bah, on vient de trouver les lits et la porte. Hop. Une porte fermée. Au niveau, je le commence à le connaître un petit peu par cœur. Comme je sais qu'on va tomber sur des ennemis ici. Et qu'avec un peu de bol. Je vais peut-être les buter avant tout, avant qu'ils ne viennent. Écoutez, voyons voir si c'est réussi ou pas. Et ben voilà, c'est des pixels qui tombent. On a bien joué notre jeu. Ok. Recule. Prenons de l'avance, ce n'est pas grave. Nous avons tout notre temps. Nous avons absolument tout notre temps. Hop. J'étais hors de portée. Dégage. Dégage, te dis-je. Hop. Hop. Voilà, on récupère tout comme il faut. On a besoin du fil d'assaut ici. Merde, il ne reviendra pas dans ces... Je suis con. Hop. Grenade ! Hors de portée. Hop, parfait. On se débrouille pas si mal. Salut l'ami. Oh putain. Ah, petite astuce, chers amis. Enfin, astuce, si vous l'entendez comme ça. Encore une porte. Donc la porte, je la laisse. J'en ai pas besoin. J'en ai déjà une. Ils sont là-haut. Bon. Me trompe le jeu ? Bon, allons voir. Qu'est-ce qu'on prépare comme arme celle-ci? Je l'ai eu, parfait. Normalement, cela ne saute pas. Allez, on
peut cependant attaquer à distance. Hein. Hop. Bah alors le poison, ça vous plaît? Hop les. Bah alors. Te kiff. Et vachement bien cet SM, je sais, ce fusil d'assaut, pardon. Il me semble qu'il y en avait encore un. Non? Ok. On descend. Ok. Plus mort, tu meurs. Ah ah. Aïe. Ah mince. Hop, parfait. J'ai essayé avec le poison. Un instant, voilà re, j'espère qu'il n'y aura pas eu de problème. Pas bien. Le poison, c'est vraiment ton kiff, à mon avis. Hein. Eh ben non, tu m'auras pas comme ça. Oh, regardez, la plaque est différente. Et on tombe sur un coffre. Coffre qui renferme ceci. Et aussi ceci. Hop, les. C'est pas grave, tu arriveras la prochaine fois. Hop. Non, mon plaît pas de ça. On me gêne. Hop. Je me demande si. Ça, c'est... Ah, mais il saute celui-là. Ah, merde. Oh, joli. Hop. Ok, il a brûlé finalement. C'est parfait. Je n'en demandais pas tant. Parfait, là y'a rien. Là non plus, génial. C'est dangereux ceux-là. Ok. On s'en sort pas si mal. Hein. Même si on a un certain manque de DPS parfois. On n'utilise pas le lance-croquette. Boum! Tu l'as senti ou pas? On regarde celui-là. Hop les. Oh cool. Une pickaxe. Deux pickaxes. Génial. Hop les. Parfait. Hop les. Je l'ai touché, je pense. Non? L'aurais-je raté? Hop les. Ça se passe plutôt bien, il y en a un autre. Hop les. Alors, ici. Eh, ça a changé ça. Parfait, ils se sont bien défendus. Ah, on n'a pas de chance. Bon, ils ont l'air en forme sinon. On descend par ici, hop, on ouvre la porte, et ici nous avons en fait la première, et surtout notre casque. Hop. Cependant nous sommes complètement full, hein, chers amis. Nous sommes full. C'est catastrophique. Ça j'en ai en double, donc c'est parfait. Hop.
Le hatch, je l'ai déjà. Hop, là, je n'ai rien. Là, ça m'intéresse à peine. Hop, on bouffe de suite. On est brillant, on est lumineux, on est sublime. On est donc fabuleux. Hop. Hop, recule. Hop, recule, je t'ai dit. Bam. 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 Et voilà. Ce lance-roquette est complètement cheaté. Hein. Oh, ça c'est nouveau ça. Ça c'est complètement nouveau. Intriguant. Ça m'intrigue vis-à-vis du nouveau du premier monstre. Bah alors? Bah alors? Dégagez! Salut les mecs, la forme? Having fun? Non, rien par là. Hop. Oh! Non, je ne le connais pas par cœur, c'est faux. Hop. Et nous avons donc ici le torse de l'armure. Il ne reste donc plus qu'à avoir le backpack qui me permettrait de respirer, entre guillemets, de manière RP. Les statistiques d'Hercules ici sont bien plus fortes. Fais attention à toi. Ok. Pourquoi pas. Bon. Aïe. Oh la vache. Ah, c'est le moindre coup qui est punitif, hein. Clairement. Je pense que je vais plutôt utiliser le sniper, ça va les repousser. C'est vrai qu'ils attaquent peu, mais alors quand ils attaquent... Shrapnel bombe. Ah, attendez, on a peut-être quelque chose qui pourrait résoudre certains problèmes. Alors... Shrapnel bombe. Intéressant. On y va. Les sièges, je ne les avais pas. Les flares, je vais les prendre. Le hatch, je l'ai déjà. Celui-là, ok. Des pixels. Normalement, il y en a un pas trop loin. Et attention, chers amis, parce que ceux-là, ils savent sauter. Ils sont dans les murs, aussi. Pourquoi il s'arrêtait ? Ok. Oh, qu'il est efficace ce pistolet. C'est une main ou à deux mains? C'est un deux mains, c'est un shotgun, d'accord. Et ici nous avons donc le sac à dos. Sac à dos, sac à dos, sac à dos. Qui va avec l'armure. Voilà, on l'a. Voilà pour ceux qui ne connaissaient pas encore ce petit set d'armure. Oh, ils ont nerf, regardez. Il y avait une super astuce qui permettait de courir en fait avant, mais on peut plus. Enfin, de couvrir plutôt de grandes distances plutôt que de courir. What? Ah oui, d'accord. Je vois. Oh putain. Pouah, j'ai vu ma mort aussi, tiens, pour le coup. Alors, est-ce que ce boss va avoir changé? Je présume que non. Ah si. Oh. Hop, est-ce que ces lasers passent à travers ce truc là ou pas? Curieux de savoir. Ils passent au travers, dommage.
Ça m'aurait bien aidé qu'il n'y passe pas. Bouffe ça. Non, c'est faux, tu ne m'as pas touché. Allez, 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 pouf! Et de deux! Bah alors, mon ami? Oh, c'est pute! T'inquiète pas, tu es bientôt mort. Cette chose m'avait capturé. Je rentrerai dans une minute si vous ne m'avez, si vous n'avez pas détruite. Merci. Oh, mais le rien. Ok. D'accord, tu vas me suivre. Allons-y. Ah, puis si nous trouverons donc un diamant. Un critter capture pod, vous comprendrez ce que c'est plus tard. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un critter juste après. Voilà, donc nous avons assez d'Arcus ici pour réparer notre le réacteur de FTL de notre vaisseau. Parfait. Et je vois que ça continue un petit peu derrière, donc on va y aller. Ça nous mène à un téléporteur pod. Ok, pourquoi pas. On retourne sur le vaisseau. Parfait. Parfait, parfait. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'un critter? Est-ce qu'il fait jour déjà? Sur la planète. Est-ce qu'il fait jour sur la planète ou est-ce qu'il fait pas jour? Il fait jour. Qu'est-ce qu'un critter dans le jeu? Qu'est-ce qu'ils appellent un critter? En plus, ça tombe bien. Oula. Dégage. Dégage, j'ai dit. Raté. C'est marrant, on n'en voit pas un seul pour le moment. Bah vous savez quoi, il n'y en a pas un seul qu'on vient, on a eu l'occasion d'en voir un paquet là, mais on n'en a pas vu le moindre. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a un coffre? Il y a un coffre qui a été pété ici, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce pantalon? Hiker Trousers. Incroyable. Complètement incroyable. Qu'est-ce que je peux virer? Celle-ci, je vais garder le marteau plutôt si je devais jouer... Hop, c'est tout ce qu'il y avait dans la zone. Ok, bon par contre il se met à faire nuit, ce qui fait chier. Bah en voilà, tiens. En voilà. En voilà des critters. Donc je vais l'équiper, vous allez comprendre. Vous allez voir que ça va être assez chaud de les choper d'ailleurs. Hop. Raté. Dommage. On va en trouver d'autres, c'est pas grave. Ça c'est un insecte, donc c'est avec le truc normal. Oula, drôle de bestiole dans le coin quand même. Hein. Ça par exemple, j'aurais bien aimé le choper, mais c'est pas assez beau pour moi. Oh, t'es sérieux? Vous allez me tuer? What? Ah putain! Bon bah la capture de critter, chers amis, sera dans un prochain épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueur de la Pérou, donc faire trouver le lien dans la mer de la chaîne. Et moi je vais rendre tout de suite avec vous la quête du... voilà. Voilà. Et nous voilà avec un vaisseau qui est enfin réparé, chers amis, et capable de se dans d'autres systèmes. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Pérou, mais dans le prochain épisode nous allons donc aller dans des... planète donc sans air, un petit peu à celle sans atmosphère, un petit peu comme celle qu'on retrouve dans les Dangerous, et nous chercherons donc 20 unités de liquide Arcus pour pouvoir nous déplacer. Donc voilà, à plus pour notre aventure, salut les gens, et yop, et on a d'abel le Penpod, voilà.